Bonjour YouTube, bienvenue sur une nouvelle run de Isaac. Nous sommes aujourd'hui sur l'objectif Tented K1. Il est où? Il est là. Tented K1, objectif Boss Rush Hush Delirium. Alors déjà, Tented K1, c'est un enfer pour se faire un build. Mais en plus, va falloir se dépêcher. Boss Rush Hush, c'est des objectifs où il faut arriver à des endroits précis en moins de 20 minutes, en moins de 30 minutes. Ça va être pénible. Va falloir faire avec ce qu'on a. On va voir ce que ça donne parce que avec un peu de chance, ça peut aller vite. Avec pas beaucoup de chance. On va voir. La air key, ouais, mais faut la crafter, quoi. Alors, le problème de ce perso, c'est que du coup, il peut ramasser aucun objet. Mais il peut crafter. Avec une combinaison de loot. Ce qu'on voit en bas à droite. Donc là, j'ai déjà ramassé deux pièces grises, un cœur, une bombe. J'ai déjà des propositions. La map. Écoute, je vais faire la map. Je vais faire la map parce que justement, si on a besoin d'aller vite, en vrai. Ah putain, j'aurais pas dû prendre le cœur bleu tout de suite, j'aurais vraiment dû attendre, mais vu que je sais que je vais me dépêcher. En plus, y'a rien du tout. Pour faire des bons objets, en fait, plus t'as de cœur blanc dans ton sac, plus ça va faire des angel room, des angel items. Plus t'as de cœur noir. Plus on va sur le Devil Deal. En gros, quoi. Après les Devil Deal Angel Room, on peut pas ramasser l'objet. Oh bah, en Angel Room, ça va donner des cœurs blancs. Ce qui est sûr, c'est qu'on fait pas du Devil Deal, on fait de l'Angel Room. Putain, il donne rien du tout là. Ah putain. Ah, une clé dorée, ça vaut beaucoup de points. Avec 3 pièces, on pourrait faire le crâne d'œuf. Attends, avec 3 pièces? Ah mais non, mais là je peux le faire direct en fait. Là j'ai le crâne d'œuf. Crâne d'œuf qui donne un cœur bleu et 20% de chance d'esquiver un dégât d'une larme. C'est vrai que le PhD était sympa pour les stats aussi. Bon, ok. On continue.
là, y a pas grand chose, hein. Une carte. La mort. Bon là, ça donne la poupée, c'est pas terrible. Hein. On va essayer de trouver des objets plus intéressants. Là, on l'a rempli de pièces qui servent à rien. Là, il faut des objets de meilleure qualité pour faire de meilleurs items. Avec ça, ça fait une picouse. Une picouse de vitesse. Ah putain. Pas vrai. On est en train de crafter la boussole. Je fais la boussole. Écoute, carte plus boussole. Encore une fois, si on arrive à aller vite. Et il faut qu'on ait des stats aussi. Ah ! Mais cassez-vous ! Ah ! Ah bah voilà. Bah bien sûr, la mouche qui pète là. Je peux pas aller les chercher. Carte. Vas-y. Ah, le 1 plus 1 là, ce serait pas mal pour faire des objets. Des ressources doublées là. Bon, je vais acheter une clé quand même. On peut pas se balader avec zéro clé avec lui. Hein. Faut toujours avoir une clé, une bombe, je pense. Je pourrais pas la prendre. Comment ça, je pourrais pas la prendre? Pas sûr de comprendre. Ah mais oui, ah oui, ça va se détruire. Oui, c'est vrai. J'ai compris ce que tu voulais dire. Il va se détruire.
C'est un piège. Ce serait très utile de faire le 1 plus 1, voilà. Ça, c'est pas dingue. Y a rien de fou. Pas mal, tu trouves? Faut tout le temps tirer dans la même direction. Pas ça fou, moi. Allez. Allez, c'est parti. On a aucune stat là. Voilà. C'était le premier try. Coup de sac. Augmente la taille des pets. C'est super. Au moins, on va avoir un cœur bleu. Putain, je le déteste, lui! Est-ce qu'on va avoir un cœur bleu ou est-ce qu'on va claquer, surtout? Pièce de 10. Qu'est-ce qu'il me propose? Il y a le choc toxique, tiens, justement. Est-ce qu'on se ferait pas ça? Parce que ça me permet de faire les salles un petit peu plus vite. Hein.
De quoi? Oh putain, qu'est-ce que j'ai encore merdé là? J'arrive pas à lire ce que je lis. Ah oui, vous voyez pas bien les items derrière. Ah, je suis désolé, ouais, c'est pas terrible ça. Je sais pas si c'est assez visible comme ça. Il manquerait une pièce, mais du coup, qu'est-ce que je dois enlever? Il faut trois clés, une batterie. C'est la pilule que je dois virer. Non? Non, putain, j'arrive pas à lire ces trucs. La pièce grise, je la vire. Ok. Elle est juste devant en plus. Voilà. Salut Chrisou. J'espère que vous verrez un petit peu les items là. Casse-toi, toi. Hein. Si, c'est la bonne musique. Bon, c'est aléatoire. C'est pas tout le temps la même. Mais a priori, elle y est toujours. Bon là... Je sais pas, en vrai, ça me permettrait d'ouvrir les coffres sans me prendre la tête avec les clés, ça. Les coffres et les salles. Il y a de l'idée. Il y a quelque chose, quoi, il y a quelque chose. Il y a le rosary. Ça suffit la cam comme ça, c'est un peu masqué mais ça va, vous arrivez à voir. Allez, je fais le rosaire. Ouais, ça augmente le débit. Ah oui, par contre, pénible. J'ai pas de bombe pour là. Putain, il m'a fait peur. Oh, mais du coup, les chances de trouver la Bible, je pense qu'on s'en fout. Je pense que ça changera rien. À moins que la Bible ait envie de nous donner un cœur blanc. Mais je pense pas que ça joue comme ça. Du bleu ou peut-être du blanc. Bon, on verra, on va tomber dessus rapidement. Hein.
Ouh, j'ai pris une pièce porte-bonheur là. Ça compte. C'est pas mal ça. Pièce porte-bonheur dans le sac. Ça fait des bons objets. Mais le reste est naze, donc... Ouh, j'ai rien dit. On aime bien ça. Rayon tracteur, encore un meilleur débit. Moi, j'aime bien ça. Allez. Je reste devant. Des cœurs, en veux-tu, en voilà. On est à 7 minutes. J'ai pas le temps d'aller chercher une clé. Salut Faustmi, oui, tu peux faire ton chieur. Hein. Ça dépend. Après, peut-être que je te dirai oui ou non. Là, ouais, on part sur un HP up, a priori. La blague qui a refroidi l'ambiance. Il y a encore le crâne d'œuf. Mais il faut deux pilules, non mais c'est de la merde, pourquoi il me parle de pilules lui? Alerte picouse, ouais mais c'est l'adrénaline je crois que... Je crois que bon... J'ai acheté une carte, rien à foutre. J'ai ouï dire sur une rediff de Lorelai, que j'ai découvert en voyant ton let's play, que tu comptais faire Silent Hill 2. En tant que fan, je me dois de faire un peu de prosélytisme pour le jeu d'origine. Ce qu'on a vu du remaster n'est pas encourageant. Écoute, au pire, on verra sur le tas, tu vois, c'est pas grave. Si je sens que c'est de la merde, peut-être que je ferai le jeu de base. Je sais pas. On verra. Mais ouais, je veux faire le remaster de toute façon. Je le ferai, je le teste. On en a fait des jeux un peu moyens de toute façon, et ça arrive. Et si on sent que ça peut être mieux, et ben peut-être qu'on fera le... On fera le jeu de base. Je pense que je saurais dire, je saurais voir. Ouais, Callisto Protocol, genre. Je pense que je saurais voir, parce que je vois un peu l'ambiance que c'est, ce jeu. J'avais vu un petit peu mon frère y jouer, on n'avait pas joué beaucoup. Je sais pas si c'était le premier ou le deux. Et je pense qu'il y aura de toute façon des gens fans dans le chat qui pourront dire « Ah ouais, c'est quand même vraiment pas comme avant, quoi. » Pff,
Un petit familier, est-ce que c'est bien? Ça marche, Faust. Ça marche, ça marche. Après, il me semblait l'avoir vu ce trailer là qui était assez action. Je sais pas si c'est ce jeu-là. Un trailer assez récent qui finalement avait l'air d'être assez action par rapport au jeu de base. La gomme. On va peut-être arrêter d'avaler des objets, on va peut-être attendre le boss. On est quand même à 72% d'Angel Room, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose. Arrête de prendre des dégâts par contre, hein? Les dégâts. Oh, le ballon gel room dans mon cul, ouais. Attention aux flammes violettes. Ok, déjà là il me propose l'acide sulfurique qui est pas mal. Mais je pense qu'on peut avoir mieux. Il faudrait qu'on garde ces objets et qu'on... qu'on y mette des belles choses. Je pensais à ce trailer, mais bon, je saoule pas plus longtemps. T'inquiète, y a pas de souci. Y a pas de souci. L'acide sulfurique, c'est pas mal, mais il faudrait simplement qu'on... Je pense qu'on va... On va trouver de meilleurs items. On est à 10 minutes déjà. Je comprends jamais, c'est quel objet qui... que ça remplace en premier sur le craft. Là, ce sera le cœur rouge, oui. Alors, derrière le giga prout là, qui sert d'ailleurs à rien, il y a l'auréole. Ouf, alors d'un coup, changement de plan. On a monnaie égale power. Je vois des couilles. Il y a les couilles, mais est-ce qu'on achète vraiment dans les shops là? Parcourir la liste, je sais pas quel bouton c'est. J'ose pas appuyer. Maintenir, oui mais maintenir quoi et quoi là. Ah, je sens que je vais tout foutre en l'air si je vais maintenir. Quad shot.
Il faut des pilules pour le quad shot, c'est pas évident, hein. D'objets là, ça me tape sur le système. Pff, ah mais attendez, il y a Take X, 3 cartes, 3 runes. C'est bon quoi. Pourquoi ça me le montre plus? Je comprends rien. Mais pourquoi ça me le montre pas? Parce qu'il n'y a pas de pièce dans la salle. On va bien trouver une pièce. J'ai cru que c'était sacré d'art, mais... Bon là on n'a plus le cœur blanc hein, donc adieu les items. On est déjà à 13 minutes hein. C'est quelque chose hein. Là je peux plus rien faire là, faut que juste que je me dépêche. Là, c'est fini. Vitesse de l'arme augmentée, il faut pas. Il faut pas avec tes kicks. Ouais, objectif boss rush. Merde, mais je l'ai pris le cœur. Oh, fais chier.
chier là. Pas beaucoup d'objets sur nous, hein. J'ai crafté le calcul rénal, hein. J'ai pris la lentille. Pourquoi j'arrive pas à tirer? Allô? C'est super. Bah non mais... ça marche. Ça va bien le jeu là ou quoi? Oh putain, j'aurais bien aimé. Putain, ça bug à chaque fois qu'il y a le calcul rénal. C'est une blague. Non mais c'est dead, c'est dead. C'est quoi ce délire? Le calcul rénal, ça bloque mes tirs et après j'en envoie plein. Là, c'est en train de le faire, mais c'est bugué. Ah non, je sais pas, ça fait des drôles de trucs. Non, tout à l'heure, il y avait effectivement pas l'animation, mais ça partait pas. Ouais, non, mais ça doit être l'animation, t'as raison. J'ai pas dû essayer de charger comme d'habitude. Là, par exemple... Bon, le boss rush est ouvert. Allez. En vrai, si on arrive à faire le boss rush, ce sera déjà très bien. Pour aller un petit peu plus doucement pour Hush.
Putain, c'est chiant l'animation qui bug. C'est Monstro et Monstro 2 là, c'est marrant. C'est marrant, on se marre quoi. Oh putain, il est là. Casse-toi, toi. Ah, c'est bon. On apprécie quand même le calcul rénal, hein. Il fait des gros boosts. Ah oui, et TKX, bien sûr. La TKX, on adore. Bâtard là. Une bonne chose de faite, il reste théoriquement 5 minutes pour faire 2 étages. Mais c'est bien. Ce truc de con là.
C'est très court, hein. Faudrait savoir où aller, avoir une carte de TP ou je sais pas. Merci beaucoup, c'est Fuja. C'est Fuya. Qui a offert un sub. Le bout de pain. Bizarre, il y a beaucoup de bouts de pain, j'ai l'impression. Reste bien dedans, toi aussi, là. Non, casse-toi! Putain, mais... Pourquoi il est pas mort, lui? Mais putain! Bon, écoutez, voilà. Non, c'était pas mal. On va faire avec, on a déjà le boss rush, donc la prochaine fois on aura 30 minutes au lieu de 20, de quoi peut-être avoir de meilleurs items bien sûr. Ouais, le boss rush fait, c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est vrai que on aurait peut-être pu continuer quoi. Là en plus on a eu de la chance sur la map, sur l'étage. Enfin bon. Ça reste une victoire. Un objectif en moins avec Tented 15, c'est très bien. YouTube, des bisous. Je m'arrête là. À bientôt pour un nouvel objectif passionnant.